une chanson d'avant-guerre quand même. Non, c'est les mêmes accords que la chanson. Là. Pour me rendre à mon bureau. On est mauvais, on l'est pas. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto. Une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf. Ma fierté de bourgeois d'avoir une auto à moi. Puis 20 septembre, et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition de ma hanche chevaux légère. Même vers Button provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors que j'achète une moto. Un joli vélo moteur qui fait du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf teuf, je me gonflais comme un bœuf. Dans ma fierté de bon choix d'avoir une moto à moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo. Un joli tout nickelé avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neuf, je me gonflais comme un bœuf. Dans ma fierté de bourgeois, pour t'avoir un vélo à moi. J'en ai du coup sur coup une douzaine. On me les volait périodiquement. Quand chacun d'eux valait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Si vite chez moi, hélas par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière, on se priva sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai mis deux godillots. Et je fais 4 fois par jour le trajet à pied aller-retour. Les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf. Fier de souffrir de mes corps, pour ainsi jouir des corps. Hélas bientôt je n'aurai plus de godasse. No. Le corps de pied ne se mêle plus. Mais en homme prudent et perspicace pour l'avenir, j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain pour me tenir sereinement. J'irai porter vite bien sûr, mais je n'userai pas.